cette boisson supprime instantanément votre mal de tête, vous ne prendrez plus de médicaments. La maltraitance des enfants regroupe toutes les violences et négligences envers tout enfant âgé de moins de 18 ans. Elle désigne toutes les formes de mauvais traitements physiques et affectifs, de sévices sexuels, ou d'exploitation commerciale entraînant une nuisance à la vie, à la santé, au développement et à la dignité de l'enfant. Scientifiquement, pourquoi avons-nous un mal de tête la plupart du temps? Le mal de tête est dû à deux facteurs, une déshydratation de l'organisme ou une mauvaise balance des électrolytes. Les électrolytes sont des substances ou des composés minéraux qui circulent dans notre organisme, ils contiennent du sodium, du potassium, du calcium et du magnésium. Ils contribuent à la régulation du système cardiovasculaire, et des fonctions nerveuses et musculaires. Quand le taux des électrolytes chute, les maux de tête commencent. Dites au revoir au mal de tête. Il est nécessaire de reconnaître qu'un mal de tête peut paralyser la vie de toute personne, et ainsi le seul souhait devient de s'en débarrasser et pouvoir continuer sa vie normalement. C'est pour cette raison que nous vous présentons une alternative naturelle qui met fin à ce mal. Encore une fois, la médecine naturelle mérite une reconnaissance pour ses bienfaits sur notre santé, puisque c'est devenu le salut pour beaucoup de personnes. Voici une boisson qui a étonné de nombreux experts dans le domaine de la santé, puisqu'il assure que c'est l'antidote parfait pour contrer un terrible mal de tête. Boisson naturelle pour lutter contre le mal de tête. Ingrédients: 2 citrons, sel rose d'Himalaya, 1-2 cuillères à soupe. Eau minérale, 1 tasse. Préparation et utilisation: pressez les citrons dans la tasse d'eau et ajoutez le sel d'Himalaya. Mélangez très bien. Cette boisson devrait être prise immédiatement. Vous allez voir peu à peu que cette terrible douleur disparaît et vous pouvez continuer votre vie normalement. Pourquoi le citron et le sel rose d'Himalaya? Le sel est riche en sodium et magnésium, surtout le sel rose d'Himalaya qui contient 84 minéraux. Il permet aux électrolytes de votre corps de revenir à leur taux normal. En plus, grâce au magnésium, qui est un anti-inflammatoire naturel, il élimine l'inflammation due à ce dérèglement nerveux. Le sel rose d'Himalaya est le sel le plus complet au monde. Il ne subit aucun raffinage et ne contient pas d'additifs. Le citron est riche en vitamine C et en minéraux tels que le fer et le potassium. C'est un allié fort pour combattre votre migraine en un temps record. Notons aussi qu'il permettra de couvrir le goût du sel. Autres utilisations du citron et du sel rose d'Himalaya. Maintenant que vous connaissez cette merveilleuse alternative maison pour se débarrasser du mal de tête, voici une liste des diverses utilisations que vous pouvez faire du citron et du sel rose d'Himalaya, pour tirer le meilleur parti de ces deux fabuleux ingrédients naturels. Sel rose d'Himalaya, vous pouvez simplement l'utiliser comme sel de cuisine, que ce soit en gros sel ou sous forme moulue. Vous pouvez aussi en faire des cures minérales pour booster votre organisme, ou lutter contre des problèmes d'arthrite, d'acidité gastrique ou encore de rhumatisme. Il suffit de dissoudre quelques cristaux de sel rose d'Himalaya dans 1 litre d'eau de source. Prendre chaque matin une cuillère à café de cette eau salée que vous ajoutez dans un verre d'eau de source, et cela pendant 21 jours. Suivi d'une pause de 7 jours. Il est possible aussi de l'utiliser en bain relaxant de 30 minutes, il aide en effet l'organisme à se débarrasser des toxines. Il suffit de dissoudre 500 g de ce sel dans votre baignoire. À prendre 2 fois par semaine pendant 15 jours, puis faire une pause de 15 jours. Citron. Préparer un délicieux thé au citron avec du miel pour combattre la grippe ou le froid.
Utilisez un mélange de jus de citron et de sel pour éliminer tout type de taches sur vos vêtements. Utilisez du jus de citron avec du sel dilué dans l'eau pour brosser vos dents et les blanchir, à faire deux fois par semaine. Mélangez du jus de citron avec du miel dans de l'eau chaude et gargarisez le mélange pour éliminer un mal de gorge.